choses par cœur. Pourquoi pas? C'est la connerie. Non, mais parce que j'aime beaucoup. Mais tu continues à apprendre, c'était quand tu étais petite après ça ou, Musset, ça fait très longtemps que je connais. Oui, c'est vrai. Mais sinon, très bien. Et les autres, c'est juste qu'ils m'avaient beaucoup plu, donc je les ai appris. Et tu apprends facilement? Oui. Ils me le font suffisamment. Oui, non, mais j'imagine, parce que ceux qui apprennent beaucoup en général, nous, par exemple, Léla et moi, on n'apprend pas beaucoup, hein, mais on le sait bien, après 10 ans de sueur. Mais donc, c'est comme ça. Mais est-ce que, dans un dîner, par exemple, est-ce que tu récites? Non. Ah, c'est dommage, parce que moi, le but de ma vie, c'est les conversations intéressantes dans un dîner. Et je trouve que quelque chose de par cœur, c'est comme ceux autrefois qui avaient la manie des citations, c'est vraiment intéressant. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, je t'encourage vivement. Non, mais parce que c'est rare chez les jeunes, on dit, oh, maintenant, je l'ai fait, moi, après, non, ah, bah, tu vois, ça existe. Et alors, tu montes sur ta chaise ben et oui. Tu... Non, non, je m'étais. Non, non, parce que justement, pas. Déjà, j'avais fermé les yeux, encore une fois. Ouais. Et en fait, les autres avaient vu, moi, je n'avais pas vu. Ah oui. Et du coup, c'était mon ivresse à moi. Ah oui. Et ils avaient ouais, et ça a bien marché. Et ça leur a plu? Ouais, et après, j'avais fait le second chant. Ah oui. Très bien. Je me suis arrêtée. Bah, nous, alors je vous signale qu'après, on va toujours prendre un verre au dîner à côté au petit fleur. Vous êtes bienvenue. Enfin, ça commence toujours par un verre. Bah, un verre de qui? Voilà, donc, bah, merci beaucoup. Voilà. Et alors.